Salut les visionneurs, alors je viens un petit peu vous donner nos nouvelles, il s'est passé un peu de choses ces derniers temps. Voilà, on a bien profité, on a reçu des amis qui sont venus, des amis d'enfance, voilà, on est retourné à Gourdon, donc rien d'exceptionnel. Voilà, on a profité du coucher de soleil, je vais vous laisser voir, on a eu un petit matin sympathique, je vous montre la vidéo. Bon bah voilà, un bon réveil, claquettes, chaussettes, on a bien dormi, la nuit était fraîche de chez fraîche. C'est qui fait ça? Non. Ah, c'est les Allemands qui font ça, ouais, claquettes, chaussettes. Bon bah voilà, bonne matinée, nuit était fraîche mais le matin est parfait. À l'altitude, hein. Allez, petit déjeuner. Voilà, bon, on n'a pas voulu filmer trop Gourdon. Après, on a reçu un autre ami d'enfance, Joseph, qui est venu avec Thomas, c'était super cool. Et là, la petite chose qu'on n'avait pas faite à Gourdon, c'est qu'on avait fait une visite nocturne de Gourdon. Le soir, on se baladait la nuit et du coup, ça change parce que c'est super vide et on découvre un peu des ruelles qu'on ne verrait pas en temps normal à Gourdon. Ça reste toujours notre coup de cœur. Hey, bon, bah maintenant, ça fait 3 jours qu'on est sur Gourdon. Et du coup, bah, pour changer un peu d'air, on est parti à Cossol, on visite Cossol. Voilà, c'était juste pour vous montrer la vue. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, c'est un observatoire, mais voilà, ça fait une sortie. Voilà, sinon pour un autre sujet, ceux que ça intéresse, j'ai réussi à vendre ma petite camionnette, mon Peugeot Expert. Je l'ai mis en annonce, c'est parti rapidement, ça fait un petit poids en moins parce que c'était chiant de le laisser garer dans le sud. Donc voilà, la camionnette, c'est plus qu'un souvenir, on repart sur des nouvelles bases. Bon bah voilà, on est toujours à Gourdon. Bon, on va pas vous faire le dessin, vous connaissez. Mais ça me fait plaisir, je vois les amis. On a goûté cette fois-ci le myrtille. La dernière fois, c'était melon. Bah, franchement, c'est super bon. Je vous le conseille, avec plaisir. Nous, c'est apéro et can't stop. Apéro. Apéro. Le capitaine Plum prend son verre pour la première fois. C'est bon, tu peux arrêter la vidéo. Yo. On est allé se balader, j'ai mangé la première pêche Melba de ma vie. C'était super sympa et surtout c'était super bon. On a donc trouvé un petit coin de nature pour venir avec le camping-car où on n'avait jamais été, je vous mettrai à côté. Et en fait on voulait se baigner comme d'habitude parce qu'il faisait chaud et puis j'avais repéré un petit trait bleu, alors je me suis dit là on pourra se baigner, mais en fait on s'est bien fait avoir parce que c'est complètement sec, c'est la sécheresse totale. Voilà, il n'y a plus de trait bleu donc tant pis, mais bon là on est super calme, on ne devrait pas se faire virer, tout devrait bien se passer. Allez, nous on prépare à manger et puis on va accueillir le père d'Anaïs qui va venir un peu nous rendre visite. Voilà, c'est le week-end. On a aussi fait nos visites donc à la clinique. Le bébé va très bien, tout se passe nickel. Voilà, donc ça c'est parfait. Les rendez-vous c'est fait. Maintenant, donc on va savourer un petit peu de moments de calme là. On va passer un week-end en famille. On va voir les gens de la famille d'Anaïs. Hey, bon, bah, le lendemain, je vous fais part de notre bonne nuit parce que là, on a dormi dans un coin vraiment dans la nature. Et bah, ça fait plaisir. Et là, du coup. On a bien dormi, on était au calme, personne ne nous a dérangé, on a juste eu un voisin qui est venu hier soir. Mais voilà, là ça fait plaisir parce qu'on se fait une petite nuit gratuite dans un coin sympa et surtout très très calme. On a l'ombre dès le matin, que du bonheur. Voilà, là il va être bientôt midi, on va manger et puis on va voir ce qu'on va faire cet après-midi. Voilà, je suis content de trouver des coins comme ça en France. Bon bah voilà, après quelques jours, hier on a passé une nuit en camping, mais bon on va pas vous le partager parce qu'on l'a déjà fait. On est garé sur le parking de Palm Beach à Cannes. Voilà, on est dimanche, il est 1h d'après-midi, c'est un peu la galère, on a tourné, alors voilà, on prend le risque de se prendre un PV, on a laissé un mot sur le pare-brise. C'est pas toujours évident pour trouver une place dans le sud, surtout un dimanche quand on est aux alentours du 15 août. Mais bon, ça fait partie du jeu. Allez, on va casser la croûte.
Hey, après quelques jours, bon, on fait pas des choses très intéressantes, alors j'ai pas trop envie de faire des vidéos, mais voilà, si je vous montre quand même un petit parking aux alentours de Le Canet, je vous mettrai l'image à côté. Voilà, si ça vous intéresse, bah, sachez qu'ici on est bien, on est calme, ça fait déjà 2 nuits qu'on est là, on a fait une petite soirée avec les copains sympas hier, on a vu un beau coucher de soleil, ça c'est pas mal, c'est ça qui est bien quand t'es en camping-car et que t'es pas trop loin de la ville, mais t'es quand même au calme. Voilà, bon, bah, c'est une semaine qui avance doucement, calmement. On va aller refaire nos rendez-vous pour la grossesse d'Anaïs, là, on a un rendez-vous jeudi. Puis voilà, petite course, petite routine, rien d'exceptionnel pour le moment, voilà, pas de grande vidéo. Hey, bon, bah, après avoir passé un petit moment sur les hauteurs de Cannes, au calme, pareil, vraiment bon emplacement que je conseille si vous êtes dans les alentours, avec un beau panorama. En plus, comme on est fin août, à cette période, les journées se raccourcissent et du coup, on a pu voir le coucher du soleil qui était aussi sympa que d'habitude. Voilà, je fais une petite parenthèse, on est en train de faire le plein un peu de provisions. Et vous voyez, il y a encore un intérêt à ne pas avoir le porte-vélo parce que ça permet de se garer quand même nettement plus facilement et de moins gêner les autres. Voilà, donc on ne regrette pas notre choix. Voilà, oh bah route pour la prochaine destination. Ah, vache, là, on est bien emmerdé pour passer. Parce qu'il faut qu'on passe sur le côté là. Et en plus, comme ça monte, il dérape. Oh la vache, la grosse galère. J'étais bloqué, j'avance, je mets la première, ça dérape sur place, le pneu il fume, il voulait rien savoir. J'ai réussi grâce à l'aide des personnes à reculer, à prendre de l'élan. Waouh, il aurait fallu que je recule 1 km en marche arrière pour pouvoir faire demi-tour dans cette ruelle de merde. C'est pas prévenu, il n'y a pas de panneau, je suis dégoûté, on s'en est bien sorti. A priori on n'a rien rayé, mais c'est des sacrés coups de stress. Ça me fait penser au tout début, quand on était dans une ruelle en descendant, là, qu'il a fallu reculer. Là c'était la merde. Bon bah voilà, après cette péripétie, j'ai encore la main qui tremble. Nous sommes arrivés à Mougins. On a prévu de passer quelques jours à Mougins. Donc voilà, je vous fais part de Mougins, il paraît que c'est sympa. On va d'abord trouver un parking pour se garer et puis après on va faire une petite visite, on va vous montrer tout ça. Allez, on se détend. Bon, voilà, il s'est passé quelques heures, la pression est redescendue, ça va beaucoup mieux. Alors du coup, bah, on est toujours à Mougins, on s'est garé quelques minutes après, on a trouvé notre parking. C'est un peu sinueux ici, c'est un peu compliqué. Voilà, ça nous a mis un sacré coup, alors du coup, bah, en fait, on a carrément stoppé tout, on n'est même pas allé visiter aujourd'hui. Voilà, bon, on a quand même eu de la chance parce qu'en fait, on est dans le meilleur emplacement de tout le parking, on est au fond, dans un coin, on est sous les arbres, donc vraiment, le bon Dieu, il joue avec nos émotions. Voilà, un coup ça va pas, un coup ça va bien. Voilà, donc du coup on est resté en camping-car, on n'a rien fait. Et je pense qu'on devrait bien dormir. Et on a vu des avis sur Park Fortnite, ça a l'air d'aller. Donc voilà, demain est un autre jour. Et demain, bah, on va aller visiter Mougins ensemble. Allez, bonne nuit. Bon bah voilà, nous sommes donc le lendemain. Bon, on a passé une nuit normale. Bon, il y a eu un petit peu de bruit parce qu'il y a le terrain de boule a priori au-dessus. Mais bon, pas très dérangeant. Voilà, on est toujours sur notre bonne place, bien à l'ombre. Il faut libérer parce que là, il y a comme un rassemblement militaire. Voilà, il est 14h, on va seulement commencer la visite du village et je pense que quand on va revenir, il y aura de l'animation. Voilà, on va voir tout ça. Allez, petite balade, c'est parti. Direction l'office de tourisme. Gotta find me. Are you gonna find me? Bon bah voilà, ici ils rigolent pas hein. Quand on voit la taille du plan, ils sont bien équipés hein. Allez, c'est parti, on se balade. I need to know you'll be here in time.
s'est retrouvé à Mougins par hasard, bah, je peux vous dire que ça vaut vraiment le détour, c'est super sympa. Alors ici, ils ont un truc par rapport à l'acier. Il y a beaucoup de statues basées sur de l'acier plutôt rouillé. Bon, pas tout, mais voilà, alors on va peut-être savoir pourquoi, mais en attendant, bah, on voit des choses originales. Voilà, ils aiment bien l'art, il y a beaucoup de choses tournées sur l'art. Voilà, très sympa. On continue la visite. Ce sont des statues en plexiglas. Bah franchement, quand je vois tout ça, bah, je suis vraiment content de m'être arrêté à Mougins, c'est sympa. Voilà, je vous fais une vidéo rapide, puis après je prends un peu plus de temps pour rentrer dans les boutiques, pour flâner un peu, bah, y a des belles choses. Voilà, des choses faites à la main bien souvent, des choses originales. Vous voyez, tous les 30 mètres, il y a une belle petite boutique. J'aime beaucoup. Hé, t'es puni, tu peux pas sortir. Je sais même plus quoi vous montrer tellement il y en a. On peut même manger dans un petit sommité, regardez, super discret au coin d'une ruelle. C'est cool, hein? Ah, vraiment élégant, j'aime bien. Bon, et bien voilà, après cette très belle surprise, on prend le chemin du camping-car. Voilà, en fait, on avait fait beaucoup d'endroits dans le sud, là où on est. Puis il restait un parking inexploré dans les coins de Mougins. Je me suis dit, on va aller voir Mougins. Et Mougins, il y en a peut-être qui connaissaient, moi je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est vraiment la surprise quoi, la vraie belle surprise, donc voilà, ça nous fait plaisir. Voilà, bah, on rejoint le camping-car, et puis comme on vous avait dit, il y avait un petit rassemblement qui était prévu là. Alors voilà, allez, c'est parti. Bon bah voilà, nous sommes le lendemain. Hier on a passé une petite soirée sympathique. Je remercie encore la ville de Mougins pour le petit pot offert gracieusement. C'était super sympa, la petite ambiance avec les militaires, côté américain, tout ça, des années 40, le débarquement avec des véhicules qui ont vraiment fait le débarquement. Voilà, bon cette nuit moi j'ai un peu moins bien dormi parce que ce matin bah, on s'est fait réveiller par les poubelles. Ça c'est l'avantage quand on dort dans des parkings de ville. Et voilà, on prépare le départ et puis on va aller à Grasse à l'hôpital, on a un petit rendez-vous pour la préparation d'accouchement. Allez, c'est parti !